Les amis, nous sommes accompagnés de Mantis aujourd'hui, qui est, oui, sur le dos de Drax. Vous voyez, elle est en train de le posséder complètement, parce que Drax a succombé à la promesse du grand unificateur, pour le sauver, tout simplement. Il faut qu'on le sauve. Donc on y va, n'oubliez pas de liker bien sûr cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne. C'est parti les amis, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Mantis, est-ce que ces créatures ont un rapport avec ce qu'on cherche? C'est dur à dire, mais... Ils sont balèzes. Bon, ils ont l'air d'avoir qu'une seule barre de vie. Wow. Ah, un petit combo. Allez. Oh bah ça va, ils étaient pas si... Ah là, mais gratine, à peine ces trucs. On aurait quand même vraiment besoin de Drax. C'est vrai qu'on a un nouveau pouvoir maintenant, on peut devenir... Oh, il y en a un deuxième, il y en a encore. Et on va le terminer, voilà. Aïe! C'est pas faute d'avoir essayé! C'est vrai qu'on a maintenant un nouveau pouvoir, on peut devenir invincible pendant un certain temps. Peut-être qu'ils sont juste contents de nous voir! Ne t'emballe pas! Un dernier mot! Allez, on l'a eu. Cette espèce de gros taureau là. De ce passage. Il se passe quelque chose de terrible ici. On doit l'éviter. Mantis, par ici. Bon, j'ai beau apprécier Drax, j'en ai officiellement ma claque de cette grotte débile. Qui, la Philippe? Elle n'arriverait pas à trouver le chemin des toilettes. Je crois que Mantis, elle est un peu buggée. Est-ce que tu es le visage de pierre que nous cherchons? Je suis pas sûr que j'ai envie qu'il réponde. Si ça peut nous faire sortir d'ici. J'imagine qu'on doit aller sur ce pont, mais comment? Je crois que Mantis est un peu buggé par contre. Le vilain tout vert dérive dans un océan de mensonges. Nous devons le ramener sur la terre ferme. Mais nous devons aussi rester ancrés dans le positif. Nous sommes sa bouée de sauvetage. Restez positif. Allez, on l'a dégagé. C'est pas vraiment notre spécialité. Oh, te sous-estime pas tout le temps, Gamora. Wow, il y a un visage là-bas, vraiment? Tu vois quelque chose, Mantis? Je vois tellement de choses. Trop de choses. Les ombres d'une civilisation qui vivait ici autrefois. Des visages tristes qui, comme moi, peuvent voir les horreurs à venir et... D'autres ombres. Les nôtres, celles d'étrangers, et une silhouette qui nous observe. Là, maintenant. Ou qui nous observait avant. Je vois des rochers et... des cristaux. Une statue en forme de visage, et encore des rochers. Je préfère ta version. Je vois autre chose. Je vois des amis, prêts à mourir pour leur ami. Ouais, enfin, j'espérais qu'on n'en arrive pas là. Moi aussi, Starlock. Un des 100 grands mystères de l'Amentis. Aucune preuve de la roche a été taillée, ce qui suggère une potentielle origine naturelle. Wow. Ok, mais comment on fait là? Au moins, ces cristaux sont jolis. Oh, j'ai vu des formations bien plus jolies, hein. On dirait de vulgaire silicate. Oh, la façon dont il résonne n'a rien de vulgaire, petit poulet. Nous devons tous affronter nos peurs. Quoi? Il y a un enfant qui vient de passer là, non? Mais il est vital de les affronter. Tu sais, les fuir, c'est bien aussi des fois. J'ai trouvé un autre chemin. C'est moi ou ces cristaux ont l'air super dangereux? Ne t'inquiète pas, petit poulet. Il n'y a que deux chronologies. Je sais pas si c'est le bon chemin, mais... Je ne crois pas que c'est Antoine. On va voir. Ouais, ça a l'air d'être le chemin. On doit passer sur ces cristaux, Groot. Le chemin officiel, donc attends. Je vais retourner un peu sur mes pas pour voir si j'ai rien loupé. Non. Ça a l'air d'aller. C'était quoi ces petits cris là? Allez, go.
petit dash. Oh. Je commence à me rappeler, je crois. On doit faire très attention ici. Je crois que ce que tu vois, c'est une version où je te pousse dans le vide. Oh, petit poilu. Ton mauvais caractère est une des rares constantes dans tous les continents. Insister pour avoir des réponses. Tu es mon feu. Mantis, quand on était sur Nowhere, tu savais ce que l'église allait faire ? Je sais pas. Je vois tellement de choses différentes en même temps que... parfois, j'ai du mal à savoir où je suis. Est-ce qu'ils essaient de s'emparer de la galaxie dans toutes les réalités ? C'est quoi cet enfant qui court là ? C'est bizarre, non ? Des fois, c'est un vrai bazar. Comme si un million de vaisseaux décollaient en même temps. Est-ce qu'on a une chance de les arrêter, au moins ? Oh oui. Mais seulement si vous soignez mon Draxou, chéri. Vous êtes les seuls à pouvoir nous sauver tous les cinq. Je sais pas ce que je fais, les amis, vraiment. J'aurais peut-être pas dû venir. Allez, ne laissez pas vos pensées dériver. C'est dangereux. Bon, attends, je vais sauter dans le vide parce que... Oh merde, je suis complètement bloqué, les amis. Oui, oh non. Voilà, c'est bon. Ouh. Qui est Camille ? C'est une longue histoire. C'est celle que je... Enfin, le visage aux mille mensonges. Je crois... Il va nous aider à sauver Drax ? Non, ils veulent nous empêcher de le sauver. Ce qu'on cherche se trouve derrière le visage. Au-delà des mensonges. Tu veux que je fasse tout péter ? Encore ! Attention, tout le monde ! Olé ! C'était chaud. Oh, c'est tellement grand. Merci. Non, mais c'est parce que tu t'en tires pas toujours. Ah, on va rentrer dans sa narine, non ? Visage dans le noir. Mais j'ai toujours pensé que c'était une image. La punaise est complètement zinzin. Évidemment que je suis en colère. La structure n'est pas encore... Et je pas quoi dans une grotte qui s'effondre. Gamora ? Tu peux nous ouvrir le passage, Gamora ? Oh, zut, hein, j'y vais. Non, fais pas ça. Tu veux pas que je coupe ça ? Non, attends, passe-toi. Il va se passer quelque chose de grave. Oula. D'accord. Ok, c'est sur cette statue, on sauve Drax et on prend la poudre d'escampette. Oui, mais... Il est temps de suivre notre instinct, Quill. Mantis indique le visage nous empêcher d'aider Drax. On doit le détruire. Petit poilu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, j'en ai rien à la moustache, là, moi, fais ce que tu ne t'apprêtes pas. Non. Écoutons ce que Mantis a à dire. Tu as déjà... Oh, laisse-moi réfléchir. Si jamais la grotte s'effondre, au moins, on n'aurait plus à se battre avec lui. Peut-être pas, là. Groot, tu veux bien lui dire d'arrêter? Il écouterait un Rocket. Le petit poilu n'en fait qu'à sa tête. Ouais. On va tous mourir. Elle l'a dit ou elle l'a pas dit que ce truc nous paraît pas mal? Oui, mais... Wow. Mantis, c'est immense. Rocket, non. Wow. Rocket. Oh oh. Je pose souvent la question, mais... Tu veux connaître le plan? Ouais. Il faut courir. Wow, alors là, franchement... Ils ont eu très très chaud s'ils sont encore vivants. Wow. C'était moi une. Je te le fais pas dire. Oh, mais je l'ai dit. Mantis. Où est la matriarche? C'est celle où je rate mon coup. On essaie de t'aider. Wow. C'est pas grave. Celle où je rate mon coup, c'est celle où tu réussis. Chut. Reste avec moi. Hey, visez-moi ça, bande de muses ! Rocket-là, destructible ! Oh. Quoi ? T'as failli nous tuer ! Wow. On vient de débloquer une nouvelle capacité de flingue, non ? C'est fini. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Star Trek, tu es Spartoy ? Pourquoi je le savais pas ? Tu ne l'as peut-être pas toujours été ? Ou j'ai oublié ? Quoi ?
Les pétoirs font encore un truc nouveau? Il a sauvé Drax après que tu as failli nous tuer. Comment appuyez sur droite pour équiper le tir rafale. Maintenez R1. Waouh. Voilà le travail. C'est quoi ce truc? C'est plus stylé quand je fais tout sauter. Pas vraiment. Non. Stylé. La prochaine fois qu'on s'est attaqué partout, vous allez me supplier de tout faire sauter. Mais si, vous verrez. La prochaine fois qu'on se fait attaquer de partout, je me souviendrai de ça. Waouh, joli. Encore cette drôle de brume. Estimez-vous heureux de pas être au ras du sol? Oh, le petit poilu ne se fait jamais tuer par le gaz ici. Seulement par les chutes, les rochers, les chitori. Wow, wow, attends. Ou... T'as dit chitori? Oui. C'est un mot tellement cool. Oh oh. Ok, tir rafale. Le tir rafale attire les ennemis à distance de combat rapproché. Il est très efficace contre les ennemis difficiles à atteindre. Mais c'est pas possible! Ok. D'accord, ok. C'est ouf comment le jeu s'inscrit vraiment dans le multivers. Qui est le nouveau fer de lance de Marvel quoi. Du MCU même. C'est quoi toutes ces petites boules là? Bender est vraiment la dernière chose dont on a besoin. Ah, ça m'évite. Tu peux attendre qu'on ne tire pas dessus pour faire le malin? Oh. Et enfin, ces types peuvent pas faire une croix sur le passé. Ouais, ils ont pas ramené une armée de lobes avec eux. Oh, c'est horrible ces trucs. Tu disais? Ah bon, tu nous as porté la face. Hé, hey, Bernard, et je suppose que tu veux qu'on te félicite? Vous taillez en pièces! Les tordus se font écraser comme des mouches! C'est quoi ces trucs? Hey, ah, attention! Faut de la glace! Wow! Celui-là faut qu'on le gèle. Est-ce qu'on est bon? Ah, j'ai fait tomber dans le vide. Magnifique ça. Aïe. C'est vraiment des Nova. Wow. Bon, ça a l'air du monde là. Hein. N'obligez pas à vous supplier. C'est pas vrai. Allez. Je demande ce que cet endroit nous réserve encore. Le super tueur. J'ai besoin de souffler un peu, Groot. C'est pour moi celui-là. J'ai besoin de souffler un peu, Groot. Allez, où y'a mort? Bouge pas, je suis presque là. Ah mais elle est tout là-haut. Ok, bon, c'est officiellement trop étrange. Ce type des Nova était cinglé. On va essayer d'aider Gamora, mais elle est tellement loin. Yes. Là au moins, on sait qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Allez, toi, viens là. C'est pas mal, c'est vraiment pratique ce nouveau tir, j'aime beaucoup.
tout ça à cause. J'ai grillé un de ces poulets de l'espace. Allez, on passe en glace. Bim, c'est bon. Ils étaient nombreux, mais ça l'a fait. Affronté de plein. Va bien, Mantis. Oh, salut Gamora. T'as l'air moins déprimé. Attends, on a déjà parlé de ça, pas vrai? Ouais, en effet. Mais cette chose te contrarie toujours, n'est-ce pas? Quelle chose? Je vais bien. Concentrons-nous sur Drax. Il va être triste. Quelle taille elle fait, cette grotte! La légende dit que toute la planète est creuse. Super! Attention! D'autres monstres de pierre. Waouh. Ils ont pas l'air de pouvoir faire la paix, Quill. Oh, je peux peut-être vous aider. Je crois que je charme leur langue. Faites attention! Explique-moi ça! Allez. La vitesse, tu plantes la porte. Je vois que Drax t'entend pas. Ça, c'est bizarre, ils ont pas de... Ah, j'ai du mal à les mettre en chancellement. Non, c'est bon. Allez. Ils sont vachement résistants. Bigote-moi ça. On va les attirer les uns l'autre. Hop. Waouh, ils sont... C'est ouf. Ah, j'ai loupé le combo. Il y avait un petit combo à faire là. Allez. Ah, y a lui, c'est bon. Enfin, lui, il a encore toute sa vie, c'est incroyable. Ça, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, cette attaque, quand même. Est-ce que tous les proches de cette grotte veulent nous égouiller ? On est sur leur territoire. Ouais, il faudrait peut-être les attirer vers ça, là, tu vois, par exemple. Après, je pense que faut vraiment les mettre en chancellement pour les tuer plus rapidement, mais je sais pas c'est quoi leur faiblesse, j'arrive pas à trouver. J'étais pourtant sûr que. Ouh. Ah bah non. 4 points de. Je crois que j'ai compris leur mot pour tuer. 4 points de compétence, c'est pas mal. Hein. La brume n'a pas l'air de déranger ces espèces de géants. On va les utiliser. Assez malin pour pas... Alors. Comment. Hop, c'est ici, à chaque fois je me trompe. Bah Drax, pour l'instant tu vas attendre, hein, comme t'es un peu dans les vapes. Groot, prise sumo, Groot saisit un ennemi imposant et le maintient sur place. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal de mettre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, est-ce que Peter Quill, il a sa dernière? Ah bah en fait celle-là tu payes pas du coup, ok c'était celle-ci. Cette arme-là est protégée par un bouclier impénétrable qui résiste à toutes les attaques pendant un court instant. Ok, donc je pensais que celle-là on allait la payer, mais... Mais non. Gamora frappe un seul ennemi en infligeant des dégâts modérés, suivi d'une vague d'énergie qui inflige un chancellement. Mais ok. Ouh, là j'avoue que j'hésite un petit peu. Grenade à fléchette. En gros ça fait des chancellements, ouais, ok. Allez, on va faire ça. Hop. Et du coup il me reste un seul point. Contrairement à certains. En gros les pouvoirs niveau 3, j'ai l'impression que ça inflige beaucoup de chancellement. Mais ça peut être bien, parce que finalement il y a des ennemis oh qui... Est-ce que c'est la version où le petit poilu fait quelque chose d'héroïque? C'est dur à dire. Je pense qu'on peut tous dire que ça n'arrivera pas. Les gars? Je sais, petit poilu. Et c'est le seul passage... Les pensées de Pipe. Je
J'aimerais que le patron arrête de se morfondre, tatati tatata. Ok. Bon, je vous invite à faire pause si vous voulez lire le texte. Je vois ce qui se trouve devant. Et je vois ce qui se trouve derrière. Ah non. Ça a pas l'air si... juste moyennement. Je refuse de marcher sur un élu. Il y a peut-être un moyen d'utiliser ces plantes pour les vieux. On a une équipe. On va trouver. On va vraiment abandonner Drax à cause de ça? Bien sûr que non. Allez le sauver pendant que je me dois. Alors, attends. Pousser ici. Bah, je sais pas, mais... ces grandes feuilles pourraient servir de barrage. Peut tirer là-dessus. Non. Voilà. Une plante normale. Et la deuxième. T'en as pas le choix. Qu'est-ce que vous feriez sans moi, hein? Ouais, qu'est-ce qu'on ferait sans tes flingues, tu veux dire? Il aime pas l'eau, lui. Hein. Ça a pas l'air si terrible. Traduction, Roquette ne... Roquette n'aime pas l'eau. On a compris. C'est une grotte lugubre. On risque tous de croiser des choses qu'on n'aime pas. C'est vrai. Mais pas autant que le petit poilu et sa peau bleue. Ne sous-estime pas les peurs primales de tes compagnons, Starlock. Surtout si tu n'en connais pas les raisons. Starlock. Ah, ça fait du bien, en fait. Comme une douche express. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Roquette? J'ai jamais pris de douche. J'ai pas commencé aujourd'hui. Alors. Il veut pas venir. Ah. Groot, hey, ça c'est pour toi. Tu peux m'amener là-haut? Je s'appelle Groot. Attends, je prends ça d'abord. Hop. Groot, faut que je grimpe. Je s'appelle Groot. Tac, ici. Ici c'est bien. Je s'appelle Groot. Allez, c'est tellement pratique d'avoir un Groot dans son équipe. De là, arrêter les anecdotes de Drax sur Katas. Oh, je suis sûr qu'il y a un conte de fées catassien qui ressemble à ce qui nous arrive. Ça, c'est un gros haricot. Hey, si je saute, tu peux me rattraper, hein? On va pas tarder à le savoir. Allez, je hop là. Peux pas dire ce soir rassurant. Je sais pas où je vais. J'espère qu'il y a une petite tenue de cachet par là. Quoi, c'est tout? Je suis déçu. Des composants de base en plus. Même pas des... Ah, il y avait un truc là-bas. Hop les... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu. J'ai jamais fait attention, mais... Ok, on a eu des composants de base à gauche et des composants avancés à droite. Très bien. Attends, je vais juste refaire... ça, parce que je voulais voir un peu plus loin s'il y avait quelque chose que j'aurais loupé, peut-être une petite tenue, je ne sais pas. Sait-on jamais? Non, là c'était où j'ai trouvé les trucs. D'accord, ok, bon, non, moi c'est bon. Oula, je vais y tomber. Tac, c'est good. Bon bah du coup on peut descendre. Et rejoindre les copains. Groot, on va essayer de traverser. Il est vraiment pas venu, Roquette? Il dit pas question, pas sans moi. Heureusement que quelqu'un pense à moi. Dans certaines chronologies, le petit poilu déplace des montagnes pour toi. Ici, tu dois bloquer un océan pour lui. Un océan? Vraiment? Pour lui. Ah, peut-être que je peux mettre un truc de glace. Hé, la punaise! Combien de fois on est mort dans ta tronche? Ah non, ça marche pas du tout. Oh non, c'est trop triste. Du coup, bah, j'arrête toujours de compter à 50. Super! Ça fait que 10 chacun! Oh non, 50 000, petit poilu. Eh, je sais pas comment faire. Il faut qu'on fasse passer Roquette, mais Groot, on va essayer de traverser. Je il dit pas question, pas sans moi. Oh le relou. Heureusement que quelqu'un pense à moi. Dans certaines chronologies, le petit poilu déplace des montagnes pour toi. Ici, tu dois bloquer un océan pour lui. Un océan? Vraiment? Pour lui. Oui.
déplacer les plantes pour dévier la cascade. Comment ça, déplacer les plantes? Attends. Ah, ok. J'avais pas vu. Tu te rappelles la dernière fois que t'as fait sauter un truc? Il y en a une autre là. Ah ouais, il y en a plein en fait. Est-ce que c'est bon? Non, toujours pas en plus. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il fallait aller là-bas en fait. J'espère que j'ai pas besoin de remonter. Ouais, bah ici il en reste encore. Hein. On va essayer de l'atteindre d'ici, ça a l'air bon. Il en reste encore, vraiment? C'est un truc de fou. Attends, en plus j'ai vu une espèce de plaque là-bas, là. On pouvait atteindre avec Madame Gamora. Grimpe là-haut. On voit d'où j'ai failli la louper. Le problème, c'est que Rocket doit prendre sur lui. Il peut toujours aider. Pour la défense du petit poilu, il s'est déjà noyé dans beaucoup moins que ça. Exact. À ton bord. Tu trouves pas ça absurde? Il a un problème avec l'eau. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu es censé être son chef. Oh, en fait, il y avait vraiment beaucoup de plantes à enlever. C'est toujours pas bon? Attends, là c'est bon. Ouh. Il en reste encore, vraiment, c'est incroyable. Alors j'avoue là, je sais pas t'es où. Hein. Ah d'accord. Ok, tu déplaces avec le tir vert. Mais. Ok, je m'en occupe. Allez, voilà, c'est bon, Rocket, tu peux passer, tu ne seras pas mouillé. Et Groot, tu vas pouvoir enfin nous faire le pont. Waouh! L'équipe est au complet. Je s'appelle Groot. Absolument, un Rocket sec, c'est un Rocket heureux. Ah, parce que t'es heureux là? Oh oui, tu devrais voir les versions fâchées du petit poilu. Ce couloir exigu te rappelle quelque chose, Mantis? Je crois que c'est la partie où il y a de l'eau. Il y a toujours ces petits enfants qui bougent là. C'est pire après. Bien pire. Wow! Wow, wow, wow! On est où là? Tout le monde va bien? Je verrais des étoiles si j'y voyais quelque chose. Ouais, on est mal barré. Sinon, à propos de tous ces futurs où on meurt. Je s'appelle Groot. Est-ce qu'il a vraiment toujours su faire ça? Je s'appelle Groot. Il dit qu'il aime pas frimer. Waouh! La classe. Non, je le regarde pas. Magnifique. Oh, oui. La chose est une audie. C'est super joli. C'est très important. Non, c'est faux. C'est toi. On est tous tes amis, Rocket. C'est rien, ok? C'est juste que le labo dans lequel j'étais faisait des expériences sur moi dans des tutos. C'était vraiment horrible. Expériences de privation sensorielle du demi-monde. J'en ai entendu parler. La privation sensorielle, c'était rien comparé au truc. Alors c'est pour ça que tu détestes l'eau. Flak. Tu n'en as aucune idée. Ouais, attends, merde, c'est une histoire, hein. Je préfère rester au Je peux pas là. Utiliser la... On va devoir buter dans des cailloux. Je peux pas utiliser la visière pour voir. Vois ça comme une métaphore. L'obscurité dans laquelle tu évolues représente l'esprit du vilain tout vert. Je s'appelle Groot. On pourra suivre le chemin tracé par Groot au retour, et ensuite trouver la sortie. Je s'appelle Groot. Groot dit de rester près de lui, comme ça on verra au moins. Bon, j'espère que j'ai pas loupé un truc. Sage. Ouh là là. Tu es le seul à trouver Madame Irma super saoulante. Je s'appelle Groot. Madame Irma. Ah, tu déconnes. Bah au moins c'est moins sombre ici, et moins mouillé. Pourvu que ça dure. Mantis. Y a des choses dont on devrait se méfier ici. J'essaie de me souvenir. Je crois que c'est là que ça fait une. Ah, cette horrible brume. Oh, ça sent les ennemis là. Elle est toujours là. Toujours. Échappez-vous de la grotte brumeuse. Ça veut dire quoi? Encore des ténèbres. Si. Mais c'est quoi ces saletés? C'est les horribles boules d'yeux de la zone de quarantaine. Je suis sûre d'entendre des ténébreux. Les oreilles. Des ténébreux. Les yeux. Ah,
c'est pas clair. Ah ouais, bah c'est très clair. Gamora a sûrement raison. On sait que les sbires d'Elbender nous ont suivis jusqu'ici. Wow. Ça, ça tient. C'est ténébreux. C'est ce que j'ai entendu. À mon avis, je sais pas si je soutenais Rocket, si du coup il y aurait eu les ennemis dont Rocket parlait. C'est comme si cet endroit avait un esprit. Pas un esprit, une force. C'est bizarre, j'ai trouvé aucune tenue encore dans ce niveau. Je pense que j'en ai loupé quelques-unes. Personne n'a une impression de déjà vu. Tout se ressemble avec cette. Ah, c'est chelou, on dirait exactement le même endroit. Ça, c'est les blocs de gelée de Sektnar. Explique le cousin de la vermine. Non, c'est les cohortes de Nova. J'entends des voix. Comment tu peux confondre des monstres avec des gens? On va dire cohorte de Nova cette fois. On entend clairement des choses différentes. Gamora a raison. J'entends des voix. Comme quand j'ai mis ce casque dans la base des Nova. Vous êtes dingues, hein, tous les deux. Et du coup, c'est des cohortes de Nova. Ouais, c'est bien ça. En fait, c'est. Il y a ce qu'on pense. Il y a ce qu'on croit voir en fait. Ce qu'on croit entendre. Les combats, c'est tout. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais au moins on sait qu'il a une issue maintenant. Oh my god, regardez. Encore le même monde, j'ai l'impression d'être de tourner en rond les amis. Ah, c'est une boucle infinie. C'est clairement les vieux sauteurs de la zone de quarantaine. C'est sûr. Je vais pas rentrer là-dedans. C'est clair, on se fait manipuler. Des Chitori. De quoi là? T'es encore plus largué qu'elle. Chitori, boule dieu. Boule dieu. Il y a un truc qui cloche. Je sais que vous allez me détester, mais on dirait vraiment les saletés dieux visqueux. Je me suis dit que les Chitori, ce serait un combat un peu plus dur. Alors que là, des boules dieux, finalement, ça va. Et on lui répond. Waouh. Mais comment on fait? Regardez, c'est encore la même scène. Oh mon dieu. Et comment je vais faire pour sortir d'ici, les amis? On peut rebrousser chemin? Je suis même pas sûr qu'il y ait encore un chemin. Oui, oui, non, mais j'entends, ouais, mais c'est quoi? C'est impossible. Ça peut pas être. Ténébreux, corps de Nova. C'est réel quand on se battait. C'est la brume. Ténébreux. J'entends clairement des sbires d'Elbender. Oh mais c'est fou, attendez, est-ce qu'il y a une fin? En vrai je sais pas vraiment s'il y a un moyen de sortir, enfin il y a forcément un moyen mais... Est-ce que faut continuer à avancer ou... C'est chelou. Parce qu'en fait la mission c'est échappez-vous de la grotte. Mais comment? Et Mantis elle peut pas nous aider, elle qui a tout vu, tout entendu. Oh my god, toujours la même chose. C'est une boucle infinie, les amis. Mais comment elle fait ça? Pas elle. Nous. C'est impossible. Ça peut pas être réel. Ça paraissait vachement réel quand on bloc de gelée, ténébreux. Ce ne sont que des sons. Et c'est un hasard complet s'ils ressemblent à toutes les saletés qui ont essayé de nous tuer dernièrement. Les blocs de gelée reviennent à la charge, on dirait. Je les entends. Bon bah je sais pas, à mon avis il faut... Enfin je pense qu'il faut continuer mais... J'en suis pas certain. Parce que pour l'instant on a que des ennemis différents. Les combats sont pas trop durs donc je me dis... Enfin, de toute façon je me dis j'ai pas le choix que d'avancer, y a pas d'autres chemins. Wouah, et je sais pas ça fait combien de fois qu'on passe dans les salles mais c'est ouf. Attends, on a redit la même chose. Ça peut pas être Chitori, boule de gelée. Non, c'est des Chitori. J'en suis sûr. Je suis en train de me dire, ils sont en train de... C'est pas possible.
jamais le bout. C'est vraiment bizarre. Ou alors est-ce que je fais les mauvais choix dans les choix de dialogue ? Les amis, je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse là. Je pense qu'il y a un truc que je fais mal, hein. Non ? Attends, je vais pas répondre, on va voir. Nous, c'est impossible. Ça peut pas être réel. Ça paraissait vachement réel quand on se battait. C'est la brume, ce ne sont que des sons. Et c'est un hasard. Je vais pas répondre, on va voir. Des saletés qui ont essayé de nous tuer dernièrement. Ouais, parce que là, les dialogues... Starman a raison. Ah oui, il faut pas répondre, c'est ça. C'est ça la solution. Il y a une nouvelle ici. Oh le con. Alors c'est rien. Ça dépend, on dirait. C'est lié à cette saleté de brume. Dès que vous parlez d'un ennemi, elle a le pouvoir de le faire apparaître. Ah bah oui, en plus. Alors, je l'ai dit, je suis bête. Début, on aurait dû se taire. Ah bah on avait oublié. Ah ouais, en plus j'ai dit... oui, elle invoque ce qu'on dit. Il suffisait tout simplement de se taire. Dans ce cas, à partir de maintenant, on ouvre l'œil. Oh, les mécaniques du jeu, elles sont tellement malines. L'entité brumeuse a disparu pour l'instant. On ne craint plus rien. Alors, sans vouloir te vexer, la punaise, je crois plus un mot de ce que tu dis. Donc la brume est une entité, maintenant ? Oui ! En quelque sorte. À mon avis, si le monstre de la brume veut nous tuer, c'est qu'on doit se rapprocher de... du truc qu'on cherche. Mais c'est vrai que c'est logique. Et... si le J'arrive monstre plus à bouger, de la brume peut faire apparaître des horreurs, peut-être que le contraire aussi est vrai. Si ça se trouve, il suffisait de dire... Soit une Drax depuis le début. J'aimerais bien Star je Machin, sais... mais non. Pour une fois qu'elle donne une réponse claire. Les amis, je crois que le jeu a planté. Il y a quand même quelques bugs dans le jeu, je tiens à le dire. Il y a quand même quelques bugs, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je suis complètement bloqué, je ne peux rien faire. Alors attends, on va charger le dernier point de contrôle. J'espère qu'il nous remet pas au niveau de la brume, là, des monstres. Non, c'est bon. Bon, écoutez les amis, j'ai envie de dire, on va s'arrêter ici, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter. C'était ouf, cette histoire là avec les monstres qui n'arrêtent pas d'apparaître. On est si proche. T'as enfin compris ce qu'on cherche. Allez les amis, on se dit à la prochaine, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, ciao les amis.